Allez, petite pause. Alors, j'ai vu les stands qui m'intéressent un peu plus loin. J'ai bien aimé cette marque, mais ça s'appelle Aviar at Earth. Et en fait, leur concept, c'est de lier le high-tech, tout ce qui est dégueulasse pour la planète, et tout ce qui est un peu plus écolo. Elle expliquait que ça, en fait, c'est du bambou. Vous voyez ? Et le matériel, c'est du matériel recyclé. Ici. Là, on a du liège. Ça peut être pas mal aussi, tu vois. Ici, là, on a encore une fois du bambou. Là, on a du bois. On a des matériaux recyclés. Donc, en fait, ça fait des produits qui sont un mix d'une nouvelle génération de produits où bah voilà, ça va polluer un peu. Et là, on aura des trucs un peu plus écologiques. Leurs produits sont assez sympas. Alors, c'est vrai que la finition, comme ça, comme c'est des produits un peu recyclés, ça fait un peu bizarre. Mais en même temps, est-ce qu'on a besoin de beaucoup plus exceptionnel ? Là, c'est un petit haut-parleur, d'accord. Là aussi. Non, les produits sont assez sympas. En bois comme ça, franchement, c'est pas mal. Pour ceux qui, par exemple, je sais qu'il y a eu une grosse tendance de ceux qui voulaient s'acheter dans le business avec des produits un peu, je vais pas dire écolo, mais là, vous n'aurez pas là-dedans, vous n'aurez pas des brosses à dents en bambou, des machins comme ça. Mais vous aurez des produits qui sont un peu mix entre, bah, c'est pas du plastique dégueulasse, c'est du bambou, des matériaux recyclés, du bois ou du liège. Donc ça permet d'avoir des produits qui sont un peu plus sympas, tu vois. Moitié-moitié, tu vois. Bon, après l'électronique, ça reste comme ça. Les produits sont assez sympas. C'est assez classe en même temps. Ça va, ça passe, c'est propre et on va avoir une petite brochure. Voilà. Je vous invite, hein, encore une fois, à vous orienter là-dessus puisque, encore une fois, ça peut être un nouveau business de dire oui, je fais du high-tech, mais je fais que du high-tech qui est pas écolo, mais qui est moitié-moitié. Tu vois, on commence à arriver sur une tendance qui est assez bien vue. Et je vais repartir avec une casquette, tu vas voir. Je vous la fais parce que du coup, ils vont m'offrir une casquette et ils ont dit qu'en fait, c'est fait de matériaux recyclés et en fait, ils utilisent deux bouteilles de plastique et avec ça, ils arrivent à faire une casquette. Voilà, bah ça fait c'est sympa, ça permet d'avoir une petite casquette sympa. Je vais prendre une petite brochure. Miguel Bozoga ? Et voilà, et une petite brochure. C'est assez intéressant. C'est des produits qui, vous voyez, c'est une nouvelle tendance qui est en train de s'installer et tout, au niveau des packaging, au niveau des produits et tout, d'éviter de mettre trop plastique et de mettre d'autres composants. Voilà, je vous invite à vous pencher là-dessus si vous avez des envies de commerce.